grand merci pour être venus si nombreux à la présentation de ce nouvel ouvrage édité par les éditions Kapaz. This horse in Kyrgyzstan, I think it's a great job. And I would like to thank you for your incentives. And this is a special day for all Kyrgyzstanis that we are in France. Cette ancienne légende prouve que le peuple nomade kirghiz depuis des siècles honorait et élevait ce cheval, connu aujourd'hui dans le monde entier comme un cheval à pelouse. Peut-être certains d'entre vous savez ont suivi de ce que je faisais depuis ces dernières années de recherche menées sur cet attelon kirghiz à la route d'acheter. En fait, ici, dans ce projet, dans ce livre, Tchaar, et c'est pas moi du star des projets, c'est Marie-Laure. Il faut préciser cette point parce que c'est elle qui fait. Je voudrais remercier Monarbeck de son invitation. Il n'est pas seulement un auteur, c'est même à plusieurs casquettes. Grâce à lui, chaque année, nous passons quelques heures les pieds dans la neige à moins 16 degrés pour assister à des compétitions de horseball entre la France et le Kyrgyzstan. Je suis cavalière depuis 30 ans, je suis bob trotteuse et je suis artiste peintre. L'âme kyrgyz, hein, si je me permets, c'est lié aux chevaux. Je pense que c'est historique. C'est-à-dire que les kyrgyz sont arrivés là où ils sont avec les chevaux. Ils ne sont pas venus tout seuls. Les chevaux font partie, je pense, de la vie kyrgyz. Et grâce à cet ouvrage, on arrive à sentir ce qu'il y a de beau, c'est-à-dire l'âme secrète de chaque pays. Comme on peut ressentir dans certains ouvrages français, l'âme secrète de ce café, la grandeur de la France. L'objectif de notre maison d'édition Kapaz était d'être un pont entre l'Orient et l'Occident. Nous avons réussi cela avec l'Azerbaïdjan et nous allons réussir aussi avec le Kyrgyzstan. Je suis sûr que nous ferons aussi un jour des présentations des livres du Kazakhstan, du Uzbekistan et d'autres pays d'Asie centrale. Bravo!